aujourd'hui, on continue Le Petit Prince. On va faire un petit résumé, okay? So because we can't finish the whole book, in the amount of time we have, we're going to summarize some of the sections. And this is one of the sections that we're going to summarize, although I would strongly recommend reading them if and when you have the time, because they're awesome. All right, so we're going to read a little summary. You'll notice that the style changes. Throughout the entire book, it's told from the perspective of the aviateur, the pilot that crashed. And so because this is a summary, this is not told from his perspective. It's told in third person. So, just so you're aware. But there are some quotes in there as we read. Okay, let's do this thing. Le résumé. Le narrateur est un aviateur qui, à la suite d'une panne de moteur, a dû se poser en catastrophe dans le désert du Sahara et tente seul de réparer son avion. Le lendemain de son atterrissage forcé, il s'est réveillé par une petite voix qui lui demande « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». Très surpris par cette apparition miraculeuse, l'aviateur obéit. Mais aucun de ces moutons ne convient au petit prince. Celui-là est déjà très malade. Faisons un autre. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Excédé, le narrateur dessine la caisse du mouton. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Le petit prince s'en montre cette fois-ci satisfait et remarque que le mouton s'est endormi. Jour après jour, le petit prince raconte son histoire du narrateur. Il vit sur une autre planète, l'astéroïde B612, à peine plus grande qu'une maison. Les activités du petit prince consistent essentiellement à ramener les volcans, même éteints, et à couper les baobabs pour qu'ils n'envahissent pas sa planète. Une aquarelle pleine page montre une planète rendue inutilisable par trois baobabs qu'on a trop attendus pour couper. Le narrateur indique que si ce dessin est effrayant, c'est qu'il était animé par le sentiment d'urgence en le dessinant. Après ses activités, le petit prince va contempler un coucher de soleil. Son astéroïde est si petite qu'il lui suffit de déplacer sa chaise de quelques mètres pour cela. Il peut voir jusqu'à 43 couchers de soleil à la suite. Pas besoin d'aller loin pour trouver le bonheur. Ayant assisté à la naissance d'une rose superbe, orgueilleuse, coquette et exigeante, le petit prince découvre que l'amour peut avoir des épines. Il décide alors de quitter sa planète et d'aller explorer les étoiles en quête d'amis. And then the quote says: Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû juger ma rose sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et l'éclairait. J'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Voilà. Merci. Au revoir. À la prochaine fois.